Agnès, bonjour, responsable culture scientifique de l'Université de Montpellier pour nous parler de cet événement, bien sûr, sixième édition du Festival du film scientifique Sud de Science. Alors, quand on dit le titre comme ça, ça peut faire peur un peu. Ah bon? Vous trouvez? Non, le Festival du film scientifique. Oui. Eh bien, en fait, je travaille dans une université qui produit des savoirs, hein, et notamment autour de sciences extrêmement diverses. Et le fait de créer ce festival du film scientifique, puisqu'il s'agit de films scientifiques, je trouve que c'est une bonne manière d'aborder les sciences, hein, plutôt que de se plonger dans un livre duquel on décrochera peut-être au bout de la 10e page. Oui, tout à fait. Ça, je vous accorde, là, je vous donne tous les points. Mais c'est vrai que c'est surprenant, on est en plein... alors là, en ce moment, c'est les fêtes de Noël, les villages de Noël, en veux-tu, en voilà. Et puis nous, on a décidé de faire un petit peu différemment, de présenter des événements qui, dans cette période-là, peuvent des fois surprendre. Alors, ça va se passer entre Castries, Clapiers, Montpellier. Je précise que vous avez des gros partenaires scientifiques pour organiser tout ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est la sixième année. Et dès le départ, on a toujours travaillé avec la majorité des organismes de recherche nationaux implantés sur Montpellier ou les alentours, hein. Donc, c'est vrai qu'on a quand même de la chance à Montpellier d'avoir une niche, en fait, d'organismes de recherche. Donc, en l'occurrence, le CIRAD, le CNRS, INRAE, l'INSERM et l'IRD. On a la majorité, en fait, des gros, gros organismes de recherche qui nous soutiennent effectivement dans la recherche des films, dans l'adéquation avec le public. Et chaque projection étant suivie d'une discussion ou d'échange avec un chercheur, évidemment spécialiste du sujet du film, bien évidemment, eh bien, les organismes nous aident aussi à trouver les bons spécialistes prêts à venir dans les salles de cinéma pour porter la bonne parole scientifique. Alors, je l'ai dit, grosse programmation. J'invite tout le monde, si vous vous intéressez au sujet, d'aller sur montpellier.fr. Vous allez avoir, bien sûr, toute la programmation parce que, je l'ai dit, c'est du 29 novembre au 3 décembre. Donc, autant vous dire qu'il y en a énormément. Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, notre critère, ce sont du long métrage, récent, produit par vraiment du film scientifique sérieux. On n'aura pas à revenir sur ce qui est avancé dans le film. C'est vraiment des films qui ont été faits par des scientifiques. Voilà, c'est un petit peu ça nos critères. Non, ça va vraiment, si vous avez vu le programme, ça va vraiment des supports pouvoirs de la musique sur le cerveau, en passant par Sapiens ou la naissance de l'art, ou encore l'Amazonie brésilienne, un autre regard. Donc vous voyez, on est en agroécologie, en biodiversité, en sciences humaines et sociales. Il y a vraiment, toutes les sciences en fait sont représentées. Alors, pour que les gens s'y retrouvent un tout petit peu, comment ça se passe? C'est gratuit, c'est payant? C'est entièrement libre et gratuit. Les gens ont juste à venir dans les salles de cinéma, à s'installer confortablement et attendre que ça démarre. Et ensuite à rester après le film, parce que c'est quand même une vraie valeur ajoutée, je pense, d'avoir un scientifique à sa disposition pour pouvoir lui poser toutes les questions qui nous taraudent. Et alors justement, je l'ai dit, ce n'est pas la première, hein, c'est la sixième, si je ne me trompe pas. Exact. Ça veut dire que la cinquième a rencontré son public? Ah oui, la cinquième a bien rencontré son public, à tel point d'ailleurs qu'on a pu bénéficier d'un public fidèle de médiathèque. Donc l'année dernière, on l'avait fait essentiellement à la médiathèque Émile Zola et sinon dans nos murs, dans les murs de l'université. Cette année, on a décidé vraiment de faire toutes les séances dans différentes médiathèques de la métropole, puisqu'on a un partenariat très fort avec la ville de Montpellier et le réseau des médiathèques et de culture scientifique qui sont attachés en fait à la métropole.
Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour venir assister à la projection. Bon, ça c'est sûr, mais par rapport au débat, à l'échange qu'il peut y avoir après, on sait que les scientifiques ont des langages un petit peu spécifiques. Est-ce que là, justement, leur langage va changer pour pouvoir s'adapter aux personnes lambda qui vont venir? Complètement. Oui, complètement. C'est vraiment des scientifiques qui ont l'habitude de faire ce que l'on appelle chez nous de la médiation scientifique, donc de s'adresser à tous les publics, que ce soit des publics de scolaires, de lycéens, d'adultes, de seniors, peu importe, mais ils ont vraiment l'habitude de s'adresser au public et de vulgariser la parole, en tout cas de se mettre à la portée d'eux. N'y a aucun souci là-dessus. C'est parfait. On vous invite à aller justement, si vous voulez profiter de cette grande et riche programmation, à aller sur le site de montpellier.fr, mais pas que, hein. Il y a un gros référencement, pardon, sur cet événement. Donc il faut en profiter. Agnès, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Oui, alors le festival s'appelle Sud de Science, qui fait que sur la page www.suddescience.fr, on retrouve le programme très facilement. Voilà, eh ben, on vous a tout dit, c'est du 29 au 3 décembre, Castries, Clapiers et Montpellier, pour ce superbe sixième édition du Festival du film scientifique. Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.